Après plusieurs mois de répit, les cours reprennent enfin à l'Université numérique du Gabon. Cette rentrée intervient après un travail de construction et de recadrage initié en septembre 2023, visant à recentrer l'UNG sur sa vocation originelle, à savoir la promotion du numérique. Dans le cadre donc de cette rentrée, on a eu donc des exposés, notamment sur la présentation des plateformes où se dérouleront donc ces enseignements numériques. On a eu aussi donc des présentations des responsables des pôles sur les différentes offres de formation que l'université numérique offre aux apprenants. Grâce à la numérisation, les plateformes en ligne, les bibliothèques numériques et les cours en ligne permettent aux étudiants d'accéder à des ressources éducatives, quel que soit leur lieu de résidence. Reconnaître aussi les efforts du gouvernement qui a pu mettre quand même des espaces numériques ouverts. À travers donc ces espaces numériques ouverts, donc l'étudiant peut aller directement donc se connecter sur sa plateforme, la plateforme donc de sa filière, et suivre donc régulièrement donc les enseignements. On n'est pas obligé, par exemple, vous avez donc un espace numérique à l'Université Mabongo, vous avez un autre à l'Institut de gestion, vous avez un autre à l'Université des sciences de la santé. Donc pour les étudiants, par exemple, qui sont au Vendo, ils peuvent directement aller sur cet espace numérique et suivre donc des enseignements. L'intégration du numérique dans l'éducation enrichit l'expérience d'apprentissage, améliore l'efficacité pédagogique, ce qui, entre autres, favorise l'acquisition du savoir, l'innovation et l'employabilité.